Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vidéo aujourd'hui pour vous présenter les courses, les événements de la semaine prochaine. Donc on aura trois événements que je vais vous présenter tout de suite. Si vous voulez participer aux événements, n'hésitez pas comme d'habitude à m'envoyer une demande d'amis si ce n'est pas déjà fait. Mon PSN s'affiche à l'écran et de toute façon sera dans la description de la vidéo. Et également à m'envoyer un message sur le PSN en me disant que vous voulez participer à tel ou tel événement. Et bien sûr, vous pourrez participer s'il reste de la place. Je recherche exclusivement, bien sûr, des pilotes fair play, peu importe le niveau. Allez, on passe tout de suite au descriptif des trois courses. Vous l'aviez sûrement vu à l'écran, la première course sera une course avec des GT500 récentes, donc des GR2 récentes, donc c'est-à-dire toutes les GR2 qui vont de 2016, donc la GT500 NSX de 2016, la GTR de 2016 en GT500, et bien sûr la Lexus RCF GT500 de 2016. On partira sur une puissance de 650 chevaux pour un poids de 1080 kg. Ça sera une course d'endurance de 60 minutes sur le circuit de Spa avec une usure pneumatique 2x4, une usure carburant 2x6, une vitesse de ravitaillement descente de 7 litres par seconde et un carburant initial de 50 litres. Voilà, la course sera mardi soir, donc mardi 21h. Donc voilà, soyez présents, n'hésitez pas à vous inscrire pour cette course qui sera mardi soir 21h. Donc je le rappellerai également sur le Discord. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Le lien est dans la zone commentaire. Normalement, je l'ai reposté ou tout simplement, encore une fois, dans la description de la vidéo. Ensuite, on partira sur une cup en GR2, donc une mini cup en GR2 comme on a l'habitude de le faire généralement sur la chaîne avec un classement et tout ça. Donc du coup, il faudra s'inscrire pour ce mini championnat en GRB. Il n'y aura pas de circuit de terre, pas de circuit de terre, ça sera que des circuits sur l'asphalte. Et ce mini championnat se déroulera jeudi soir 21h comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour ce championnat. Je vous présente tout de suite les course qu'il y aura lors de ce championnat qui sera, encore une fois, je vous le répète, jeudi soir, 21h pour celui-là. Donc, vous voyez les caractéristiques s'affichent à l'écran. Donc, on partira sur la catégorie GRB, donc groupe B, ce qui correspond au rallye. La Audi Quattro, donc la Audi Quattro et la 205 T16 seront interdites parce qu'elles ne rentrent pas dans les caractéristiques qu'on peut avoir en termes de poids. Du coup, faudra régler sa voiture à 750 chevaux et 1380 kg sur les circuits de Sardaigne, Tsukuba et Highspeed. Donc le Sardaigne, c'est pas le Sardaigne Rally, c'est le Sardaigne routier, donc la plus grande version de Sardaigne sur route. Donc on partira sur trois petites courses de 20 minutes vu qu'on est en semaine. Du coup, comme ça, pour ceux qui travaillent, bah ils pourront faire l'intégralité du championnat. Et bien sûr, on continuera après le live à rouler ensemble. Ça, c'est pas un problème. Du coup, l'usure pneumatique sera x4, le carburant x6, le vitesse de ravitaillement descendre à 7 litres par seconde. Et encore une fois, le carburant initial à 50 litres. Du coup, voilà, c'est fait pour le championnat de pour la mini cup de jeudi, pardon. Maintenant, on va passer au championnat de samedi. Et là, ça va être un championnat assez particulier. Vous allez voir ça tout de suite. Vous le voyez à l'écran, la cup de la semaine prochaine sera avec 7 Renault RS01 de 2016. Alors, attention de ne pas prendre la mauvaise voiture. Il y a deux Renault RS01. Donc, il y a la Renault RS01. GT3 qui rentre dans les réglementations de la GT3 du championnat GT3 classique, donc avec la BOP du championnat GT3 et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est mélangé à plusieurs constructeurs. On partira pas sur cette voiture, on partira sur la voiture qui est tout au fond du Brenn Central Clio, donc cette Renault RS01 de 2016, c'est comme ça qu'elle s'appelle, mais c'est en fait la Renault RS01 Trophy de 2016 qui rentre dans les réglementations du championnat RS01, enfin qui rentrait bien sûr dans les réglementations du championnat RS01, donc en 2016. Et du coup, la voiture est un tout petit peu plus rapide, mais on retrouve les caractéristiques des GT3. Mais du coup, voilà, ce championnat, c'est un championnat exclusivement de RS01 dans la réalité. Du coup, on va essayer de se le faire sur la chaîne samedi soir. Donc, achetez bien la voiture tout au fond, la RS01
tout à droite, donc la jaune, qui coûte 500 000 crédits. Voilà. Du coup, pour les courses, ça va être très simple. On partira sur trois courses aléatoires. Trois courses aléatoires qui dureront entre une demi-heure et 45 minutes. Voilà, donc en fait, les circuits seront tirés au sort aléatoirement le jour du live. L'usure sera tirée aléatoirement, pareil, le jour du live. Et encore une fois, le nombre de tours sera à peu près de l'ordre de 30 à 45 minutes de course. Partira donc sur trois courses. Du coup, voilà, inscrivez-vous pour. Vous pouvez vous inscrire pour ces trois événements en m'envoyant, comme je vous ai dit, une demande d'amis sur le PSN, c'est pas déjà fait. Et un message sur le PSN en me disant que vous voulez participer à telle ou telle course, ou les trois, si vous voulez participer aux trois événements, bah pourquoi pas. J'ai envie de dire, c'est tant mieux. Bon, moi, ça m'arrange. Comme ça, on pourra remplir les lobbies. Allez, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos, les amis, et inscrivez-vous pour les événements. On va s'amuser comme d'habitude. Allez, à plus.